Ce cocktail de pommes, de céleri, de myrtille et de curcuma est la solution définitive contre l'arthrite et les douleurs articulaires et même osseuses. La douleur osseuse et l'arthrite sont des problèmes très courants. Aujourd'hui, en plus d'être des problèmes fréquents, ils peuvent aussi être très douloureux. La chose la plus triste de toutes est que très peu de produits peuvent vous donner un vrai soulagement. Cependant, ces douleurs osseuses et l'arthrite peuvent être traitées naturellement pour pouvoir améliorer votre qualité de vie et prévenir des douleurs qui affectent votre activité quotidienne. Je vais dans cette vidéo aujourd'hui vous apprendre à préparer le meilleur jus pour combattre l'arthrite et les douleurs osseuses afin de vous aider à régénérer votre arthrite et vos articulations de manière naturelle et efficace. Mais très cher, je traite mes patients grâce à la médecine naturelle, l'homéopathie et l'acupuncture. À mon avis, c'est la meilleure façon de faire avant de recourir à des médicaments pharmaceutiques. Abonnez-vous, puis appuyez sur la cloche ci-dessous pour recevoir les notifications et être les premiers à voir nos nouvelles vidéos. Commencez une consultation en ligne et comprenez mieux la qualité de votre maladie. L'arthrite est une maladie qui peut atteindre et affecter toutes les articulations du corps. Et surtout, elle commence à dégénérer sur les petites articulations comme ceux des doigts, des orteils. L'arthrite, en plus d'être dégénérative, peut provoquer des malformations sur vos articulations. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de partager avec les personnes qui peuvent en avoir besoin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à préparer au mieux un jus pour combattre l'arthrite et les douleurs osseuses afin de vous aider à régénérer vos articulations d'une manière naturelle et efficace. Pour concocter ce puissant jus de fruits, nous allons avoir besoin de curcuma moyen, de 3 grandes tiges de céleri de pomme verte et des myrtilles. Le curcuma bleu est l'un de nos produits phares dans la préparation de ce cocktail. En numéro 1, sachez que le curcuma est une racine venant d'Inde qui se démarque par ses innombrables avantages. Il est très important pour diminuer l'inflammation de l'articulation. Cette racine est composée de curcumine qui constitue aujourd'hui des antioxydants, des polysaccharides et bien connue sur ses variétés d'utilisation médicinale et culinaire dans le monde. Avant de continuer, laissez-moi savoir votre nom dans les commentaires ci-dessous afin que je puisse vous envoyer un grand salut et un grand cœur. Le plus impressionnant dans le curcuma est la curcumine, un ingrédient qui sécrète et qui agit sur les médiateurs de l'inflammation. Il le fait de manière similaire aux médicaments les plus puissants qui existent contre l'arthrite et les douleurs osseuses. Le meilleur de tout, c'est qu'il le fait sans effet secondaire comme d'autres substances, telles que les produits pharmaceutiques. Si vous avez besoin d'un supplément de qualité, il contient aujourd'hui des extraits de curcumine à 95%. Il offre ravi et le poivre noir afin d'augmenter son absorption, d'avoir un meilleur effet sur le corps. En numéro 2, les myrtilles rouges sont des fruits merveilleux qui peuvent combattre le stress oxydatif. À ces effets, certains scientifiques croient que cela peut aider à prévenir et à réparer le stress oxydatif ou inversement dans le corps. Mais vous vous demandez comment fonctionne ce stress oxydatif et cette oxydation dans votre corps. Il provoque une réaction inflammatoire en chaîne et peut provoquer une maladie. La chose intéressante est que les myrtilles ont montré qu'ils peuvent nous protéger de nombreuses maladies comme les problèmes de cholestérol, les problèmes cardiaques, l'hypertension artérielle parce qu'ils réduisent l'effet oxydatif dans le corps. En numéro 3, nous avons le céleri. Le célèbre céleri est beaucoup plus qu'un bon ingrédient pour donner de la saveur à nos ragoûts. C'est un légume vraiment merveilleux pour notre santé. Le céleri est un aliment global de santé et a des propriétés médicinales. C'est un légume très facile à digérer et il est très nutritif. Il est riche en antioxydants qui contribuent à diminuer l'inflammation et de nombreux médecins conventionnels le recommandent généralement à de nombreux patients qui souffrent de la goutte. En plus de tout ça, il contient des flavonoïdes qui sont responsables de protéger, de renforcer et de réparer les articulations. La pomme verte. La pomme verte contient une grande quantité de fibres et d'antioxydants qui nous aident à maintenir un régime équilibré. Il a été prouvé scientifiquement que manger une pomme verte chaque jour, surtout à jeun, peut être la clé pour diminuer la production des radicaux libres. La pomme verte est si bonne, ça peut même vous aider à réduire votre poids, ce qui est également un bon point positif et une manière de diminuer les douleurs articulaires. Ce fruit contribue au maintien de la formation osseuse, corrige et combat l'ostéoporose. Avant de continuer avec la vidéo, n'oubliez pas de me faire savoir de là où vous regardez cette vidéo. Laissez-moi votre nom dans les commentaires pour que je vous envoie des salutations bien chaleureuses. Maintenant que nous connaissons les principaux avantages de chacun de ces ingrédients, je vais vous montrer comment ce jus puissant est préparé pour l'arthrite et les douleurs osseuses. La première chose à faire est de bien laver les ingrédients. Nous lavons le curcuma
Nous lavons les tiges de céleri, bluets et pommes vertes que nous utiliserons après. Nous utilisons un couteau pour peler le curcuma s'il n'est pas en poudre. On râpe le curcuma pour pouvoir utiliser cet ingrédient sous forme de poudre pour ajouter plus tard ce mélange supplémentaire qui contient un extrait de 95% de curcumine. Et on va rajouter du poivre noir comme on l'a dit plus haut pour le rendre beaucoup plus efficace. Une fois que votre curcuma est devenu plus lisse, nous préparons l'extracteur pour pouvoir l'utiliser avec d'autres ingrédients. Nous insérons d'abord notre pomme verte dans l'extracteur. Nous extrayons son jus. Ensuite, nous ajoutons les myrtilles bleues à l'extracteur. Enfin, on ajoute 3 grosses tiges de céleri pour extraire tous les nutriments de ces légumes. Si vous préférez, vous pouvez ajouter plusieurs pommes vertes. À votre goût, ce jus est encore plus agréable à consommer. Une fois que vous avez rempli votre verre, les ingrédients que vous ajouterez à ce jus sont le curcuma râpé pour intensifier les résultats au maximum. Il est très important de pouvoir calculer la dose de chaque ingrédient et rendre votre jus aussi agréable que possible. Vous pouvez le boire comme vous préférez. Vous pouvez le consommer aussi à jeun, dans l'après-midi ou même dans la nuit, ou chaque fois que vous le souhaitez, afin de vous aider à soulager les douleurs articulaires et arthritaires et pour améliorer votre santé en général. Ceci est tout simplement exceptionnel pour votre santé et ça permet de lutter contre l'arthrite, l'inflammation articulaire et les douleurs osseuses. Ne cessez pas d'essayer et je vous assure que vous allez tout simplement adorer ceci, ça va vous faire du bien. Continuez de partager ceci avec vos amis, la famille, pour qu'ils découvrent ce remède. Si vous avez des doutes ou même des questions, je vous invite à poser ça dans les commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, WhatsApp, Instagram. Veuillez aussi jeter un œil sur le site www.rosemoneyfashion.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.